Bonjour à tous, vendredi 19 mars. Alors, je vous avais dit que on ferait un live ce matin, mais comme on est sur une chaîne inhabituelle, eh bien, YouTube réclame une validation 24 heures avant, donc je ne peux pas le faire, d'où cet enregistrement-là. Ah, quelle galère, hein. Ça marche très bien la plupart du temps, mais alors quand ça se met à déconner, c'est l'enfer. Donc, on devrait retrouver notre chaîne principale la semaine prochaine, donc tout devrait revenir dans l'ordre. La semaine prochaine, je vais voir comment je m'organise d'ailleurs, dans la mesure où nous sommes en formation toute la semaine, futur et option. Si jamais vous avez de l'intérêt, vous pouvez le faire, le refaire gratuitement si vous le souhaitez. Donc lundi, mardi, mercredi, formation sur les futurs, jeudi, vendredi, sur les options. Les marchés, bon, ben, heureusement que ça marche mieux le trading que les réseaux sociaux. On a déjà fait un bel écart ce matin, puisqu'on a acheté. Et conformément à notre proposition, on a acheté à 3,5 ce matin. Moi, j'ai pas fait celui-là, je l'ai placé un petit peu en dessous. En revanche, j'ai fait celui-ci. Donc, c'est ce qu'on avait proposé sur le trade du jour. Déjà revendu à 23, donc ça fait une vingtaine de points. Journée particulière, dans la mesure où c'est la journée de l'échéance. Donc, à midi, on aura l'échéance de l'Eurostoxx. À 13h, on aura celle du DAX. Et à 16h, celle du CAC. Et à 17h30, les options sur les actions. Donc, séance particulière avec des pressions techniques qui restent fortes. On peut avoir justement lors de l'échéance de l'Eurostoxx, on peut avoir des mouvements un peu importants, voir s'il va y avoir des ajustements de position avec des décalages de prix, des marchés qui ne rencontrent toujours pas de contrepartie, des mouvements qui ne rencontrent pas de contrepartie. Et on l'a vu, bon, mais dans la phase de hausse, on l'a vu dans la phase de baisse d'hier soir où on est passé de 6075. Donc là, ce que je vous affichais, c'est le contrat futur échéance avril. Il y a 10 points d'écart entre le cash et le futur. On est passé de 6075 à 6005, vous voyez, très rapidement. Alors pendant la séance, il n'était pas passé grand-chose. On avait acheté, nous, sur cette zone, donc de 6055, vendu vers 65-70. On ne va pas chercher bien loin. Et puis, il a fallu attendre hors séance pour que ça s'anime un petit peu plus. Donc, on a acheté des calls aussi, on a fait tout un tas de choses sur ces niveaux de prix, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, les marchés restent fermes, pas de faiblesse, une volatilité qui est moyenne, un achat sur 6000, on va dire 6005, qui reste toujours d'actualité. Pour scalper, si c'est une journée, il faut pas prendre trop de risques non plus. Justement, comme je disais tout à l'heure, c'est l'échéance, c'est un petit peu particulier. Là, je vois qu'il y a le DAX qui remonte. Je suis placé à 53 sur le DAX. C'est bizarre, 53 d'ailleurs. Ouais, bon, je suis placé à 14 753 pour revendre un petit peu de DAX. Du DAX qui reste toujours bien orienté aussi, hein. Alors lui, il a surperformé, mais d'une manière incroyable ces derniers jours, avec notamment Volkswagen, mais pas que, puisque hier, Volkswagen n'a pas fait grand-chose. Et le DAX, il y avait 1% d'écart entre le CAC et le DAX. Donc, c'est impressionnant. Et vous voyez, le CAC est fortement revenu en arrière. Le DAX, bon, un petit peu, mais il a dérivé latéralement surtout. Et donc, ce matin, il repart. Donc, l'achat, on peut reprendre cette zone de 14 680. Et sinon, plus bas, vous avez une zone autour de 14 620. Donc là, c'est pareil. On verra à midi ce qui va se passer, puisque dans l'Eurostoxx, vous avez des valeurs françaises, des valeurs allemandes et puis d'autres. Donc on verra ce qui va se passer sur les futurs à ce moment-là. L'Eurodoll, lui, pendant ce temps-là, bon, reste toujours aussi inintéressant, avec pas de directionnel, on tend vers du neutre. Alors c'est neutre avec un petit biais baissier, mais il n'y a pas grand-chose. Là, on a validé un double top, soit un 19,40, double top avec hier 17h30. Au-dessus, c'est la zone des 1,1950. Donc, on cherche plutôt à vendre l'euro-dollar, mais pour essayer de capter des écarts plutôt modestes, hein, dans la mesure où la volatilité est très faible. Il n'y a pas grand-chose à capter au niveau des écarts sur l'euro-dollar en ce moment. Sur les actions, donc, les actions du CAC, on a Alstom qui redémarre, donc double appui sur Alstom et redémarre. Technip qui perd 3,5. Stellantis, donc ex-Peugeot qui rebaisse aussi un petit peu. LVMH, moins 27, Total, 0,78. Le CAC, vous l'avez ici, moins 0,54. Volume, 337 millions, c'est pas beaucoup, mais il va augmenter ce volume dans la mesure où des positions vont être tournées. L'Oréal, Sanofi, bon, Sanofi, j'avais acheté des calls 85, je n'en tirerai rien, tant pis.
Dans les screeners volume, alors qu'est-ce que nous avons ce matin? Qu'est-ce qui bouge avec du volume? Europlasma, bon, c'est spécial, hein. Là, c'est pour des opérateurs aguerris, dynamiques, tiens, Teradiag qui redémarre. On peut peut-être la mettre sous surveillance. Balio, Novacyt, on est dessus, on a déclenché cette semaine. Neovax qui est en bas, et après, vous voyez, majorité de baisse, c'est pas méchant, mais une majorité de baisse. Et au niveau des baisses, qu'est-ce qu'il y a? Bon, Paro qui perd 10, Cenova. Bon, c'est pas méchant. Il y a un petit peu de doute, c'est ce qu'on peut voir, mais c'est pas méchant. Alors maintenant, enfin, cet après-midi, quand les échéances seront passées, les pressions techniques vont diminuer. Bon, est-ce qu'on peut pas envisager un retour en arrière en début de semaine prochaine? C'est la question à se poser. On va réfléchir à ça, voir comment le jouer d'une manière intelligente. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions, puisque bah, la construction de la hausse, c'est toujours la même. C'est de la spéculation qui parfois est bien souvent prise à défaut, des gestions sous-investies qui ne vendent pas parce qu'il n'y a pas de retracement. Donc, que faire d'autre? De l'algo, de l'arbitrage. Donc, ouais, il y a toujours cet afflux de liquidités qui vient sur les marchés et qui leur permettent de bien tenir. Et dans cette situation-là, l'Europe surperforme les États-Unis. Hein. D'ailleurs, le Nasdaq a perdu, je crois, 3%. Le S&P 500, c'est pas fantastique non plus. Donc, l'Europe tire son épingle du jeu, et notamment le DAX qui a surperformé cette semaine, donc d'une manière assez importante. Bon, ben, je vous laisse. Semaine prochaine, je ne sais pas. J'essaierai de faire un point sur les indices avant l'ouverture des marchés. Et puis, ben, pour un live, on verra, je pense, la semaine d'après. Merci de votre intérêt, de votre fidélité et bon bah à lundi probablement. Allez, bonne échéance et bon week-end. Bye bye.